L'idée du blog, de créer un blog sur la santé et le bien-être, m'est venue il y a plusieurs mois, vers le mois de janvier à peu près, parce que j'avais envie de continuer d'interagir avec le public. L'idée en fait de travailler avec les femmes, elle est venue de Nicolas Stanley, qui aussi tient l'agence OhMyCom, qui se trouve être l'agence en fait qui développe mon blog et toute la communication aussi autour du blog. Et donc Nicolas est un ancien élève de l'EFAP, qui est aussi professeur aujourd'hui, et en fait a eu l'idée brillante de proposer mon projet de lancement du blog aux étudiants de l'EFAP de dernière année pour leur proposer un projet concret. Les FAP voulaient remercier Marie d'avoir confié le projet aux étudiants parce que c'était un super projet, elle s'est rendue très disponible, parce que c'était un beau projet, ils se sont donnés à fond et on est très contents du résultat que les étudiants ont eu de venir. Donc félicitations à toi et merci. Merci beaucoup. Merci pour l'avoir. Merci à tous les étudiants encore, vraiment, je vous embrasse bien fort. Vous avez fourni un travail exceptionnel dans un délai très court. Donc vraiment bravo, je vous souhaite un bon diplôme à tous pour votre dernière année d'études. Alors moi personnellement je suis un ancien EFAP, j'ai étudié à l'EFAP, j'étais moniteur à l'EFAP, maintenant je suis intervenant à l'EFAP, donc forcément c'était évident pour moi de faire intervenir les EFAPiens dans ce projet concret. Marine est une étudiante encore aujourd'hui, une ancienne Miss France mais aussi une étudiante en 5e année de médecine, et il semblait vraiment très important de mêler les étudiants au projet pour donner vraiment de l'envergure à ce projet et une âme à ce projet. Voilà, c'était vraiment très important, et mêler l'EFAP c'était vraiment ça tombait sous le sens.